Salut Jean-Pierre. Ça va Baptiste? Tu vas bien? Ah bah très bien, je suis content que tu sois là. Merci de me recevoir, c'est cool. Salut Baptiste. Bonjour. Merci d'être là. Bah merci de me recevoir, c'est cool. Comment ça se passe alors? Le groupe s'il vous plaît, l'équipe en place. Ouais. Baptiste a une question à nous poser. Alors voilà, je explique. On va pas répondre 20 au mois, c'est toujours le curé. Il n'y a pas de raison, c'est le groupe, on travaille ensemble, on répond ensemble. Tu as une question à poser, je t'en prie, pose la question au groupe, à l'équipe. Ok, je vais demander en fait comment ça se passait l'émission. Ah d'accord, en fait, tu viens, il y a un côté. Même temps. Merci. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Peut-être qu'il y en a qui m'ont vu en spectacle. Vous suivez un peu ce que je fais, non? Ah, ouais. Et d'autres questions éventuellement? On y va quand? Le groupe a envie d'y aller, donc on y va. Le groupe a envie d'y aller, donc on y va. Bon, le groupe, on y va? On y va. Interview de people. Bonjour Baptiste Le Caplin. Bonjour Benoît. Ça va? Ça va, on dirait quand on a un clip de Tien Dao. Weekend, on change de place comme ça. Tous les 200 personnes. Alors dis-moi, ta présence sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est assez actif, hein, pour le coup, parce que j'ai Facebook, page perso, et puis page fan. Et Twitter aussi, très souvent sur Twitter. Est-ce que tu préfères Facebook ou Twitter? Twitter, c'est pas mal. Pourquoi? Twitter, déjà j'ai 55 000 abonnés, donc au niveau de l'ego, c'est pas mal. Donc là, je peux être ville de deux fois Carcassonne, quasiment. Tu te fais déchirer un peu sur les réseaux? J'en ai quelques-uns, mais c'est rigolo. Mais en fait, c'est bien, c'est que Twitter, en fait, les gens, ils se rendent pas compte, mais tu acceptes beaucoup plus la critique, parce que des fois, tu tweets un truc, tu tweets une blague, les gens, ils font « Ouais, j'espère que tu vas crever, t'es pas drôle !»« Mec, c'est juste une blague !»« Ouais, c'est pas drôle !» Est-ce que tu télécharges des choses Non, jamais. Je télécharge que légalement. J'aime pas télécharger. Parce que des fois, tu tombes sur des films tout pourraves. Tu sais, tu tombes sur Scream, mais en belge. Hello, Sydney, j'ai tué ta mère. Ça le fait moi. Baptiste, est-ce que tu crois que c'est normal que les gens partagent le savoir de façon gratuite? T'aimerais que Wikipédia soit payante? C'est un peu payant, parce qu'il faut donner un peu d'argent, il faut prêter de l'argent. Pour la connexion Internet? Non, alors oui, déjà. Bon, là, ça complexifie le débat. On va se la reposer. Baptiste, fin mai, tu as 28 ans. Est-ce que tu pourrais être un humoriste engagé? Prendre position. Oui, le piratage, c'est bien. C'est mal. Non, je vais d'abord essayer d'être drôle un peu, voilà. Parce que pour que les gens se disent c'est un humoriste engagé, il faut qu'ils me reconnaissent en tant qu'humoriste. Après, voilà, s'il y a une cause que j'ai vraiment envie de défendre et qui me tient à cœur, comme par exemple sur le mariage homosexuel, par exemple, c'est un truc, on m'a demandé de m'engager, je l'ai fait. Alors, de quel côté tu t'es engagé? Je suis plutôt pour. T'es marié, toi, ça se passe bien? Nickel. Ah, ok. J'ai une femme dans chaque port. Baptiste! Ouais? C'est quoi ton actu théâtre? Je suis au Bataclan du 6 février au 2 mars. Pour les 20 dernières de mon spectacle, Baptiste le tape l'affiche. Les 20 dernières, c'est émouvant. Peut-être prendre une place pour la dernière. Viens à l'avant-avant-dernière, parce que je vais enregistrer mon DVD. Ah, je vais te pirater, Baptiste. Avec grand plaisir. Je le dis aux gens à la fin de mon spectacle, si vous voulez, vous pourrez me télécharger. Merci, Baptiste Le Caplan. Merci, 20-20. C'est sympa d'être avec un jeune comme toi, Baptiste. C'est sympa d'être avec un presque vieux comme toi. Oh, putain. Ok, pardon. Excuse-moi, Jack Sparrow.